chaque fois que le train passe, il apporte de l'espoir. Parce que les enfants peuvent monter à bord rapidement pour récupérer les bouteilles qui ont été abandonnées par les passagers ou récupérer les bouteilles aux alentours des voies ferrées, des bouteilles qui ont été jetées par la fenêtre par les passagers. Ensuite, les enfants viennent ici au centre de collecte pour vendre leurs bouteilles. Ils peuvent obtenir un sou par bouteille de plastique. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'achètent une gâterie, rapportent le reste de l'argent à la famille. Mais il y a aussi un groupe d'enfants qui achètent de la drogue avec cet argent-là parce qu'il y a un grave problème de toxicomanie ici, aux environs de la voie ferrée. Et il y a plusieurs de ces enfants-là qui vivent carrément sous le pont ici.